Et bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ce soir, comme dit le titre du stream, on va tester les probables différentes fins. Puisque je suppose, comme on a vu lors du précédent stream, on doit combattre... On commet une saga de péché. Ah non. Non, on a en fait on a combattu le péché dans notre ville. En gros, le prêtre de l'église nous a demandé de combattre le péché, comme quoi il serait la source de la peste qui frappe le village. Il s'est avéré que le prêtre en question, c'était l'archange Uriel, qui en fait s'est fait manipuler par le diable. Parce qu'en fait, bah, la peste, c'est pas du tout dû au péché, c'est dû au rat, tout simplement. Et donc là, on a vaincu le péché dans l'âme des pécheurs, mais ça les a tous tués. Ils sont condamnés à l'enfer. Mais un corbeau nous a dit, donc lui, que si on retournait dans leurs âmes, même si voilà ils sont morts, et qu'on récupérait le trognon du fruit défendu qui serait la marque du diable sur leurs âmes, on pourrait leur ouvrir les portes du paradis. Donc je suppose qu'il y a peut-être quatre fins. Parce qu'en fait, on peut dès maintenant soit combattre Uriel, soit combattre Lucifer, soit retourner dans les âmes pour terminer, comme je disais, récupérer le trognon, etc. Le corbeau nous donnera un morceau de vitrail qui fait qu'on pourra rétablir celui-ci. Parce que là, on en a 14. Donc j'imagine. Je suppose que si je bats Uriel maintenant, je pense que ce sera la pire des fins. C'est-à-dire faire gagner Lucifer et condamner toutes les âmes du cimetière à l'enfer. Je suppose que battre Lucifer maintenant, c'est une fin moyenne. Parce que du coup... On fait gagner quand même le bien en ne combattant pas Uriel, mais toutes les âmes du cimetière sont condamnées. Autre fin moyenne, je pense libérer toutes les âmes du cimetière, mais combattre Uriel, et donc faire gagner le diable. Et je suppose que la meilleure fin, c'est libérer les âmes du cimetière et combattre Lucifer. Donc... J'ai bien envie de les faire dans cet ordre-là, c'est-à-dire ce soir, la combattre Uriel, la pire des fins, j'imagine, puis combattre Lucifer, en espérant que je puisse reprendre, comment dire, ma save. Puis libérer toutes les âmes du cimetière et combattre à nouveau Uriel. Puis Lucifer. D'ailleurs... Ouais, non, la save, elle... Je peux pas... Ah ouais, putain. En plus, comme par hasard, il y a quatre... Il y a quatre slots de save. Franchement, je crains... Je crains que ce soit un slot par fin. Ce qui voudrait dire... Ah non, copier, ok. Très bien. On va copier notre save. Voilà, avant de faire le con. Voilà. Comme ça, on va pouvoir faire chaque fin. Si, s'il y a bien quatre fins. Let's go.
Donc, ce qu'on va faire dès maintenant, c'est qu'on va combattre Uriel. Très certainement la pire des fins, je suppose. Vous n'avez fait que mentir et dissimuler, Uriel. Vous m'avez trahi, ainsi que les habitants de Sinuel. J'avais des doutes concernant Cécile, et je suis profondément peiné de les voir confirmés. Il continue de se moquer de toi, Cécile, après tout ce que tu as fait pour lui. Le moment est venu de faire quelque chose pour moi. Élimine-le. Je ne fais pas cela pour vous, Lucifer. C'est Uriel qui a provoqué d'innombrables morts ici. Je le fais pour Sinuel. J'ai multiplié les efforts pour te révéler la vérité, mais tu refuses de la voir. Quelle que soit la vérité, ce n'est pas en vous laissant rester ici qu'on la fera éclater. Puisqu'en fait, Uriel est censé garder les portes de l'enfer qui se trouveraient sous Sinuel. Donc là, en gros, on va tuer le gardien des portes de l'enfer, on va certainement libérer l'enfer sur Terre. Hein. Donc il dit qu'il fait ça pour Sinuel, mais il est un peu con, le Cécile. La colère divine approche, il est tragique que tes actes hâtent sa venue. Let's go! Uriel, le combat. Où es-tu? Ok. Est-ce que je le touche là au moins? Ouais, ok. Si. Merde. Oh, il y a des cœurs. Merde. Putain. Ok, en tout cas, il fait mal. Ça, c'est certain. Ah, en plus, on peut pas... Quoique si, on peut peut-être sortir de l'esprit, je sais pas. Ok, non, en fait, il faudrait que je me cale dans un coin. Non, ok. Si je dis non, du coup, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je sors simplement du combat et je peux reprendre, en fait... Ah ouais, tout va bien, en fait. Je peux finalement choisir de combattre quelqu'un d'autre. Ok. Allez, let's go. C'est sûr. Ok, donc je vais aller là. Ah putain, le bâtard. Ok. Là, pourtant, j'ai récupéré des cœurs, mais il m'a défoncé. J'aime bien quand il prononce notre nom, Cécile.
Putain! Ok. Merde, putain, j'ai voulu lui foncer dedans, mais du coup le dash, j'ai pas l'impression que ce soit très utile sur lui. Ok, du coup là on va avoir 3 dashs. Merde. Là on l'avait quand même pas mal touché, hein. Il commençait même à avoir ses ailes brisées. Putain. Non, il m'a eu. Winthos. Pas boss final, mais du coup, en fait, j'ai remarqué qu'il y avait 4 slots pour les parties et on peut copier sa save. Du coup, là, j'ai décidé de faire. Du coup, j'ai copié mes 87% sur les 4 slots. Et donc, sur le premier, je vais combattre Uriel sans avoir. Libérer l'âme de tous les morts du cimetière. Sur le deuxième, je vais certainement combattre Lucifer sans libérer toutes les âmes du cimetière. Sur le troisième, je vais libérer les âmes du cimetière, du coup avoir tous les vitraux, donc reconstituer le vitrail, à nouveau battre Uriel. Et sur le quatrième, reconstituer le vitrail et combattre Lucifer. Voilà, donc là j'en suis au premier fight, celui contre Uriel. Donc j'imagine la pire des fins, c'est-à-dire combattre Uriel et ne pas libérer l'âme de tous les pêcheurs que j'ai vaincus, quoi. Ouais, voilà, parce que j'ai peur que si je le fais sur ma save, ensuite je puisse pas revenir en arrière pour tester les autres fins. Donc voilà, là c'est le tout premier fight contre Uriel. Cécile. Ok. Non, putain, tu fais tellement mal. Non! Le con! Cécile. Cécile.
Merde. Ah putain. Putain, il fait tellement mal. Ce seul. Après, qu'est-ce que ça va être contre Lucifer? Ah putain, j'ai pas réussi à me faire un double saut. Putain, fait chier. Putain. En gros, si je prends mon temps, ça devrait pouvoir passer. Hein. Non! Non! Putain, j'ai pas réussi à sauter. Prends ton temps, prends ton temps. Petite question, tu as la nouvelle extension du site de zone? Je sais pas, ça fait... J'avais pris les American Horror, ça fonctionnait, donc je dois l'avoir, je pense. Faudrait que je regarde. Merde, putain, du coup j'ai eu tous les cœurs là. Merde. Allez, crève, 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 crève. Bon, jamais tu crèves. Ouh. Lui aussi, il se l'est joué genre je te passe, putain. Quand il veut. Je suis pas loin d'être mort. Non, putain, j'ai sauté beaucoup trop tôt. J'ai sauté trop tôt. Il a l'air tendu, on dirait un boss de Blasphemous. Ah ouais, non, mais là en plus, il se fait plaisir. Ah, donc en fait, il devenait de plus en plus rouge. Ok. Je détruisais certainement son vitrail de plus en plus. C'est quoi, je vais regarder. Oui, bah t'as vu là les patterns. De toute façon, il a trois types de lancers.
Hop, donc c'est... Hop, c'est Rox. Tiens. Voilà. Ouais, il a trois types de lancers, les rouges, les bleus, les jaunes. Et c'est surtout qu'en P2, ben du coup, il dash vite. Mais si je saute trop tard, je me le mange. Si je saute trop tôt, je me le mange, t'as vu? Et c'est assez tendu son dash, je trouve. Et surtout, c'est un sac à PV, quoi. J'aime bien le jaune. Le rouge, c'est un petit peu plus chiant. Putain, je voulais pas prendre le cœur. Ok, il a déjà une bonne partie. Non, pas le bleu, pas le bleu. Ah, le rouge, c'est chiant aussi. Parce que le rouge, c'est vraiment en fonction de la... Putain, c'est en fonction de là où je me trouve. Eh ouais, mais le pogo n'existe pas! Putain! Ok, bah c'est mort. J'annonce la couleur. Hop, putain. Merde, j'ai avancé trop vite. Oh putain, il est déjà en mode... Il est déjà en mode douille. Non! Bon, bah là, c'est mort. Ah, je pensais pas tenir aussi loin, mais... Mais là... Oh, putain! J'aurais dû rester là où j'étais. Bon, je suis pas allé aussi loin que tout à l'heure, mais bon. Mais c'était très mal parti. Putain. J'ai fait une diagonale au lieu de lui foncer dessus. Non! Ah, le con.
Putain. Non! Putain, je te vois pas partir. J'essayais de voir s'il y avait le moindre signe. Mais il n'y en a pas en fait. Cécile. Ah putain, ça commence mal. Ok. Oula, non, putain de bâtard. Non. Putain de diagonale. C'est chier. Non. Sa mère. Putain, c'est Tandax, hein? Waouh! Putain. Suis mort. Je suis mort. Je n'ai fait que de la merde. Mais c'est clair, il faut. C'est ça, il faut rester zen. En gros, il n'est pas compliqué. Faut que j'arrête d'essayer de le bourriner. Je pense qu'en prenant son temps, ça devrait passer. Bon, mise-moi au secours. Hein. Le problème, c'est ce sera son dash. Putain. Ah putain, le bâtard, il m'a touché. Ah. C'est l'instant dash. Non. Non, putain, je pensais pas qu'elle allait me toucher là. Là, en gros, le dash, il me sert à esquiver. Putain, j'avais sauté, espèce de bâtard. Ah, petite lichée de thé. Hop. Bon, allez. Zen. Ceci. Et dire que je vais devoir me frapper Lucifer aussi. Je sais pas ce que ça va donner.
Ah ben ça commence mal. Ok. Putain. J'ai pas l'impression du coup que tant qu'il vole, je peux pas lui faire de mal. J'ai l'impression que c'est qu'une fois qu'il est... qu'il est stabilisé, que je peux lui rentrer dedans. Ah merde! Est-ce que ça passe? Eh non, ça passe pas, hein. Ok. Non, bâtard, il a attendu. Ça pue du cul. Non! Oh, tu crèves? Non! Oh, le débile, putain! J'ai voulu lui le dasher parce que je me suis dit ça doit être la bonne, là, il lui restait plus rien. En plus, c'était l'attaque la plus simple à éviter. Bon, arrête de faire le con, là, franchement, c'était bon, là. Ah, c'est Pink depuis hier, ok. Ouais, non, moi, la... Merde. La dernière fois que j'avais cherché, c'était pour American Horror Story. Putain, il m'a touché, le con. Arrête de dasher, utilise le dash surtout pour éviter son dash à lui. Dit-il alors qu'il le fait. C'est mort. Putain, dire que j'étais à très très peu là tout à l'heure. Putain. Ah, ça c'est très malin. Je récupère des cœurs, mais pour crever quoi. Bon, ça passera pas. Pas cette fois en tout cas. Bon, allez, prends ton temps. Arrête de bourriner. Après, la musique elle t'invite à speeder aussi. Allez, ça commence mal. Putain, mais pourquoi? Ah oui, et puis des fois la hitbox est dégueulasse quand même.
Ah putain. Bon là c'est moi, hein. J'ai gridé à vouloir... Oula! J'ai gridé à vouloir bourrer, bourrer, bourrer et j'ai pas sauté assez tôt. Ah là là, elle me saoule cette attaque. Au final, elle est lente, donc elle est évitable, mais... Merde, putain, j'ai voulu éviter le cœur, et du coup, je me suis mangé un truc. Ah, le connard. Il a tiré un petit peu en l'air parce que c'était là où j'étais. Ah, le connard! Ah, ça lui fait quand même du mal. Hein. Merde, 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 merde. Non, ouh, c'est bon, ça passe. Ah, le con, le con, le con. Non, putain! Je suis vraiment qu'un con. Je ne suis qu'un con. Arrête de dasher comme un connard. T'es pas très loin, bordel. Dit-il, arrête de dasher, qu'est-ce que je fais? Je fais une manip pour essayer de le battre. En lui dashant dans la gueule, quoi. De toute façon, c'est tout moi, hein. La grille de... Bon, après, j'étais pas aussi près que la fois où je suis mort. Hein. Ok, ça passe pas. Putain, pareil que tout à l'heure, j'ai voulu éviter un putain de cœur. Et je me suis mangé. Je voulais le garder pour plus tard. Et je me suis mangé l'attaque. Ok. Comme d'hab. Le dash pipe cul du cul. Ah putain, il était passé en P2 cet enfoiré. Il n'y a rien qui montre aussi que la P2 arrive. Ceci. Ok. Merde, putain, j'ai pas vu que c'était le jaune. Merde.
Ok. Non! Putain, mais arrête d'aller dans les pics! Non! Allez, là, ça va passer! Allez, ça passe. Putain, il craint pas le... Il craint pas le dash. Non, le fils de chien, le fils de chien. Voilà, j'ai encore voulu dasher comme un connard. Je me demande si c'est pas... Ouais, on aurait dit en tout cas qu'il était... qui résistait à mes dashs, comme si en fait mon dash il fallait que ça tape à l'endroit sensible en fait. Ok. Voilà, comme si là. Par exemple, ça ne l'avait pas touché parce que j'ai tapé dans du verre. J'ai l'impression, hein. Parce que j'avais pas tapé, j'avais tapé dans du vitrail marron en fait. Oula. Il est déjà en mode dash. Très bien. On note. Non. Ah putain. Non, 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 non. J'ai pas l'impression qu'il est point faible. Mais j'ai l'impression qu'en fait, je lui pète ses vitraux là. Merde. Non, oh putain. Je lui pète du coup ses vitraux. Et j'ai l'impression que si je dash dans du vitrail qui n'est pas encore marron, ça le casse. J'ai l'impression, par exemple, là, son aile, je peux pas taper dedans. Oh putain, il en a balancé 4, le bâtard. Alors, qu'est-ce que tu... Ah putain, tu dashes pas encore. Je pensais qu'il allait dasher. Mais non. En même temps, là, je lui ai pas mis beaucoup de dash dans la gueule. Du coup, c'est peut-être pour ça que... Il dash pas encore. Parce que je lui ai pas fait suffisamment mal. Ah bah. Quand on parle du loup. Putain. C'est bon, je suis mort. Voilà pourquoi je suis mort, parce que je suis un con. Cécile.
Putain, pourquoi tu commences par l'attaque rouge? Ok. Oh putain, ok, tu dashes. Très bien, je note. Je note, tu dashes déjà. Moi aussi. Oh, je l'ai eu. Oh putain, ça pue la P2, en fait. Ah non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc, on a battu Uriel. Très bien. Il avait un peu une tête de démon quand il a explosé, j'ai l'impression. Thank you for the GG! Donc, voyons voir ce qui se passe. Laissez-moi recevoir votre confession. Le malheur vous accable? Les cauchemars vous hantent? Des péchés mortels, dites-vous? Je vois. Vous demandez pardon. Vous voulez que je vous pardonne? Pardonner pour oublier, comme dit l'adage. Mais je préfère oublier que pardonner. Ouais. Et donc... Ok. On va maintenir B pour ignorer, ok. Ok. Ouais, très spécial, je trouve. On dirait qu'il est... Qu'en gros, du coup, il était le diable. En mode genre, non, mais moi, je pardonne pas, j'oublie tes péchés. Je sais pas, très bizarre. On va tenter de vaincre le diable. Ouais, très chelou, la fin. Enfin, il parlait un petit peu de manière démoniaque, hein, je trouve. Un peu genre... Donc, combattons Lucifer. Vous n'auriez jamais dû franchir ces portes, Lucifer. Peut-être que c'est la première fin du coin complète. Ouais, je pense, hein. Je pense que c'est la pire fin. Celle que j'ai faite. C'est-à-dire combattre Uriel, le bon. Et condamner en fait tous ceux que j'ai tués en entrant dans leurs esprits. Là du coup je vais combattre le mauvais, mais normalement tout le cimetière restera condamné. D'ailleurs j'aurais pu relancer ma partie pour voir, étant donné qu'il y avait un petit symbole en plus, pour voir si je pouvais... C'est quoi d'ailleurs? C'est ce que je vais faire. Non, tais-toi. On s'en va. Non, mais on s'en va.
On s'en va, monsieur, on veut pas vous combattre. Non. Non. Non, je veux même pas te voir. Stop, 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 stop. Non, pourquoi t'as montré ta tête? Je voulais pas. Je veux lancer la save avec le carré rouge. Pour voir ce qu'il en est. Est-ce qu'on est du coup juste avant d'avoir vaincu Uriel ou pas? Ok. Donc en fait, je peux faire sur la même save, on dirait. Bon, c'est pas mal. Du coup, on va combattre Lucifer sur celle-là. Sur la première. Vous n'auriez jamais dû franchir ces portes, Lucifer. Tu ne comprends pas, Cécile. J'ai subi une injustice il y a plusieurs milliers d'années. J'ai longtemps lutté pour rétablir l'ordre juste dans le monde. Mais ces adeptes n'ont cessé d'entraver mes efforts. Le ciel n'a pas voulu céder. C'est pourquoi je suis venu déchaîner les enfers. Et moi, je vais vous renvoyer à votre juste place en enfer. Tu as fait le bon choix, Cécile. Je te suis reconnaissant d'avoir confiance en moi, même si je ne l'ai pas mérité. Pourquoi tiens-tu tellement à te prosterner devant Uriel? Tu ne peux donc pas t'affirmer seul? Uriel a sa part de responsabilité dans cette histoire, mais vous avez suffisamment semé la discorde, diable. Peut-être qu'un jour je regretterai d'avoir tourné le dos à sa création, mais ce ne sera pas à cause de vous. Ok. Donc let's go. On va tenter de vaincre le diable. Ok. Oula. Faut que je casse tes mains, que je casse tes yeux. Oula, je crains le pire. Ouais, voilà, j'en étais sûr. Faudrait peut-être que je pète les mains en premier. Oula. Je suis quasiment mort. J'aimerais bien des... Oula, oula. Par contre, des cœurs... Ouh, let's go! Raid! Let's go! Kappa qui vient me voir me faire éclater! Alors, comment ça s'est passé, Bloodborne? Hop, petit saut. Même si tout le monde connaît la grande Kappa, bien entendu. Hop, et salut Remix! Re-Eric! C'était dégueulasse. C'était Et il faut que je lequel passe là où celui-là? il y a le nid et ne pas me faire toucher une fois. C'était le. Non, c'est. Ah ouais, mais ça sentait mauvais, ça, d'entrée de jeu, je voyais bien. Je Ah vois pas putain de lequel merde. c'était. Bon Et bah, salut c'est bon. Saint-Galier! C'était. Ben, ça va bien ici. On est. En fait, je suis sur la fin de Saga of Sins. Hop, je vais lancer un petit tac. Saga of Sins. Où en fait, on a débarrassé un village de ses pêcheurs, mais en fait, en les tuant. On savait pas, mais en fait, on les a tués. En arrachant le fruit défendu qui était dans leur âme. Et là, en fait, on a un ange et le diable. Et on doit choisir qui vaincre.
Et en fait, j'imagine qu'il y a quatre fins différentes. Donc là, je viens de faire la première, la pire, en vainquant l'ange et en laissant tous les pécheurs condamnés à l'enfer. Là, on va faire la deuxième fin, c'est-à-dire combattre Lucifer, mais laisser les pécheurs à leur sort. Et ensuite, je continuerai le jeu pour libérer les pécheurs qui sont morts pour leur donner accès au paradis, en battant de nouveau Uriel et de nouveau Lucifer. Donc là, on est sur le combat de Lucifer, c'est mon deuxième try. Donc là, je suis en train d'apprendre les patterns. Comment ça s'est passé, Kappa, la fin de Bloodborne, enfin la continuité de ton stream sur Bloodborne. Bon, ce serait bien si je pétais ses mains d'abord. Putain. Non, 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 laisse-moi tranquille. Ok. Vas-y, j'ai envie de te péter la main. Vas-y, crève. Ah, une main. Ouh, putain. Ok, du coup, elle est vénère, la main. J'aurais peut-être dû. Ouh, putain. J'aurais peut-être dû, en fait, les péter l'une après l'autre gentiment. Ok, on se calme. Putain. C'est tendu du string. J'ai eu le père Gascoigne. Fais attention de ne pas fâcher les pêcheurs. Avec eux, le ton monte facilement. Oh, elle était bonne celle-là, Remix. En tout cas, il est quand même bien tendax. Uriel, il m'a fallu quoi? Une dizaine, une quinzaine de fois, non? Winter pour le battre. Ouais, du coup, je vais peut-être flinguer les mains de manière équilibrée. Oh putain. Non. On va peut-être essayer de. Pour s'en débarrasser, en fait, les deux en même temps, un petit peu comme les oblobs. Merde. Ça se passe mal. Non. Un petit peu comme les oblobes dans Hollow Knight. Non, 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 je ne voulais pas, je ne voulais pas. Je ne voulais pas casser la main. Je suis désolé. Vite, vite, voilà. Bon, par contre, les yeux, je veux pas non plus. Ok, un œil. Je crains, voilà, j'allais dire, je crains le pire. Ouais, c'était sûr. C'était sûr. Oui, un peu plus même. Comment ça, la blague était bonne? Bah, t'as pas vu? La blague sur les pêcheurs et le ton qui monte. Quand j'en fais une comme ça, je me fais insulter. Oui, mais toi, t'es ma sœur. C'est normal. Ouais, on dénonce Kappa, elle bute les mamies pas gentilles. Alors qu'on lui disait, non, fais pas ça! Mais Kappa, de toute façon, c'est un monstre, hein. Elle le sait. Hein. Faut regarder ses let's play de Spiritfarer. Hein. Hein, Kappa, on est d'accord que t'es un monstre, en fait, dans les jeux. On va d'abord. Non! Oh putain.
Putain, le con. En plus, j'ai un double saut. Oh putain, putain, putain. Bon, c'est pas pour cette fois, c'est moi qui vous le dis. Ok. On va faire un coup d'un côté, un coup de l'autre. Surtout que j'ai l'impression que l'œil gauche a moins pris que l'œil droit. Ok. Mais c'est pas la fin, hein. Il a les yeux fermés. Ah bah si, c'est la fin, on dirait. Je pensais pas. Ok, bah du coup, on l'a eu beaucoup plus rapidement qu'Uriel. Ses patterns sont beaucoup plus facilement évitables quand on équilibre, en fait, hein, pour pas se taper la grosse attaque de la main. Ou... Oh, du dossier, merci Coquille. Du dossier de quoi? Ah, sur Kappa. Bon gigot, dodo, courage Coquille, bonne nuit et passe un bon samedi. Merci Eric. À toi aussi, bon courage si jamais tu taffes. Et passe une bonne nuit. Pardonnez-moi mon frère, car j'ai péché. Ok, donc en fait, tout à l'heure, la fin précédente, on était face à Lucifer dans le confessionnal. En fait. Parce qu'on n'avait pas trop compris la fin... pardonnez-moi mon frère, car j'ai péché. Ces actes ont provoqué la damnation de mes semblables. En même temps, c'est lui qui nous a demandé de débarrasser les péchés, à moins que ce soit nous, du coup, qui ayons mis la marque du diable dans l'âme des pécheurs qu'on a voulu sauver. C'est grâce à toi que Sinwell et son peuple connaissent le salut. Lorsque viendra l'heure du jugement, sa grâce se souviendra de ton sacrifice. Il n'oubliera pas que tu as gardé foi en moi, son messager, en dépit de mes manquements. Je reconnais que ma foi a souvent été ébranlée. J'ignore encore si j'ai fait le bon choix. Sache que tout ce que j'ai fait ne visait qu'à préserver le caractère sacré de ton libre arbitre, Cécile. La loi divine m'empêchait de défier Lucifer. Tu étais le seul à pouvoir l'affronter. Le révéler aurait été une violation de la loi divine. Mon pacte avec Lucifer aurait été brisé. Et maintenant, qu'est-ce que l'archange attend de moi? Lucifer continue de régner dans l'ombre. Je crains que ne nous soyons jamais tranquilles tant qu'il sera présent. Un jour, nous serons de nouveau appelés pour empêcher les forces du mal de se répandre sur Terre. D'ici là, vis ta vie, Cécile, tu l'as bien mérité. Ok, donc ça c'est la fin. Numéro 2. Ah! C'est pas fini comme quand on a vaincu Uriel. J'aurais dû en faire plus. Aucun mot ne peut exprimer les remords que je ressens. Je n'ai pas été à la hauteur. Pourrez-vous jamais me pardonner? Ok, donc là c'est quoi, la fin? Ouais. Donc voilà, comme je disais, là en fait on a fait les fins dans lesquelles on a laissé les pêcheurs qu'on a malencontreusement tués, sans le savoir. Avec la marque du diable sur leur âme encore, donc condamnés à l'enfer. C'est pour ça que là, en fait, ils s'en voulaient. Donc la meilleure des fins, c'est combattre Lucifer et être retourné dans les esprits, dans les âmes, en fait, des pécheurs, pour retirer une bonne fois pour toutes la marque du diable. Parce qu'une toute première fois, en fait, on est allé dans leur esprit, dans leur âme, on a récupéré le fruit défendu, qui était le péché, mais ça les a tués.
Et là, en retournant sur leur tombe, on peut retourner dans leurs âmes et retirer la marque du diable qui est... En fait, on refait exactement le même niveau. Ça, c'est un peu con, par contre. Et on récupère un trognon de pommes de fruits défendus qui va nous donner, en fait, un dernier morceau de vitrail. Et on va pouvoir, très certainement, reconstituer le dernier vitrail de l'église. Cette superbe truite de 5 litres. Pourtant, c'est l'église. On devrait enlever le E d'ébranlé. Hashtag pas bannir. Pourquoi ça fait... Genre le gars qui a rien compris, tu sais. Et pourquoi on enlève le E? Ça fait ébranle. Donc, est-ce qu'on a un deuxième carré? Ok, on a un deuxième carré qui s'affiche là. On a fait les deux fins. Est-ce que je peux retourner dans ma save? Aller libérer les âmes de tous les pêcheurs. Combattre à nouveau Uriel, puisqu'on ne veut pas la meilleure des fins immédiatement. Voilà, très bien, ils sont là tous les deux encore. Donc là, comme vous voyez, en fait, sur ce... En plus, apparemment, il y a un secret si on récupère tous les coffres. Il y a 111 coffres dans le jeu, je crois que j'en ai 95, un truc comme ça. Donc là, en fait, c'était les pêcheurs que j'ai tués, malheureusement. Le trognon de pomme est illuminé parce que je suis déjà retourné dans son esprit et je l'ai récupéré. Donc ceux-là sont censés être sauvés. Si on en croit le corbeau qui m'a dit... de retourner dans leur esprit, de récupérer cette marque du diable. Là, il y a un coffre qui me manque. C'est une horreur. J'y suis retourné 2-3 fois, j'arrive pas à le trouver, mais bon, c'est pas grave. Donc tout ça, on est tout bon. Il nous reste 3, 4, 5, 6, 7, 8 pêcheurs à visiter. Donc on va retourner dans son âme. Et donc là, ça va être du platformer pour les deux premiers. Et pour le troisième, c'est un boss. Hop. Et donc là, vous allez voir, voilà, j'ai quatre créatures en fait, parce que j'ai déverrouillé quatre vitraux dans l'église. Et chaque créature a son propre pouvoir. Personnellement, j'utilise beaucoup le griffon. Il est vraiment original esthétiquement ce jeu. Ah ouais, non mais j'adore. C'est ça justement qui m'a fait craquer, c'est la DA comme ça en vitrail. J'ai adoré. Ah merde, j'ai récupéré les cœurs alors que je n'avais pas été touché. Du coup, là en dessous, on a un coffre justement que je n'ai pas réussi à avoir la première fois. Et donc en fait, là on est dans l'esprit ou dans l'âme du pêcheur. Donc on détruit les créatures en fait qui nous considèrent comme un ennemi. Et en fait, à la toute fin... Merde, j'ai été touché. Mercredi. Et à la toute fin, on récupérait le fruit défendu, symbole de son péché. Et il disparaissait de la ville. Ok, donc là, en fait, il faut qu'on le passe dans un certain ordre. Par contre, c'est uniquement de la chance. Merde. Parce qu'il n'y a pas d'ordre prédéfini. Voilà. Ah ben, je l'avais déjà trouvé, celui-là. On va retourner avec le griffon. Ok. Je sais pas s'il y a un coffre planqué quelque part.
Merci pour la découverte, Cookie. Je le mettrai de côté sur Steam s'il y est. Ouais, je pense qu'il y est. Hein. En plus, ça se trouve, il est en promo. Parce que moi, je l'ai. Quand je l'ai pris, c'était il n'y a pas longtemps. Et c'était justement en promo. Ok. Ok. Et en fait, c'était tout con pour accéder à ce coffre. Sauf que j'avais pas dû avoir le peut-être le pouvoir de la flamme, quoique il me semble que si. Hein. Je file au lit, plein de bisous et bonne fin de stream. Ben, en tout cas, merci à toi pour ton raid. Et je te fais plein de bisous. Et bonne nuit, Kappa. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire du coup? Parce qu'on a fait le tour là. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas. Non. Des passages secrets dans les murs pour avoir accès au dernier coffre. Parce que, bien entendu, je suis complétionniste. Je veux les 111 coffres. Ok, donc, on peut pas passer là. C'est assez étrange. Alors c'est en bas? Parce que là en fait je tourne un peu en rond. Ah bah voilà, il y a quelque chose là. Par contre, ce serait bien si je ne mourrais pas. Parce que là, ah bah, très bien. C'est vrai que j'ai mon dash aussi que je peux utiliser. Ok, donc là on voit le trognon de pomme. C'est la fin. Par contre. Ok. C'est très rapide. Mais c'est pas. Il y avait une plateforme, je crois, là, que j'ai vu passer. Ah, Burk, un complétionniste. Tu l'es sur chaque jeu que tu fais? Non, non, pas sur tous. Pas sur tous. Par exemple, Zelda. Les graines des Korogus, là, ils peuvent bien aller se faire mettre, parce qu'il est hors de question que je récupère genre 1000 graines à la con, quoi. Ah bah non, en fait, j'ai juste ouvert ça. Après, je suis complétionniste, mais par exemple. Sur Death Door, c'était hors de question aussi que je refasse le jeu en. C'était hors de question que je refasse le jeu en. Avec le parapluie pour seule arme. Tu vois, je suis complétionniste, mais il n'y a pas. Il n'y a pas non plus. Je fais pas. Je fais pas tous les succès. Par exemple, il y a Ori aussi qui a des succès. Genre des trucs de Noite, des trucs comme ça. Je fais pas. C'était très con ce que je viens de faire. J'ai voulu l'attirer pour qu'il descende, mais. Est-ce qu'il n'y a pas des cœurs? Ok, il y en a là.
Tu vas le faire toutes les noix Korogu? Mais genre en trichant ou sans tricher? Ok. Ok, donc en fait ça. Oh putain. D'accord, les bâtards. Très bien. On va les laisser descendre gentiment. Hop. On va les buter comme ça. Parce que de toute façon, on a plein de... plein de dash. Ah, Death Door. Le faire uniquement avec le parapluie. Ok. Putain, je me suis pris pas mal de coups, fait chier. On récupère le dash. Ah, mais c'est vrai qu'on a un dash qui va plus loin. Peut-être que j'ai pas encore l'habitude. Bon, au moins, hop, ça c'est fait. Ok, non, il fallait que je m'agrippe avec, avec mon pote le griffon. Sauf s'il y a un coffre planqué quelque part. Allez, allez, éteins-toi. Oh, merde. Ouf, on est passé. C'était juste, mais on est passé. Ça, du coup, c'est juste un raccourci au cas où il nous arrive des merdes. Ah, là, il y a un coffre. Je l'avais pas vu la première fois. Par contre, je ne sais pas combien de coffres j'avais pas eu. En ce pêcheur. Ok. Est-ce que c'est un endroit... Ouais, c'est un endroit que je connais, ça. C'est histoire de voir si on n'avait pas un accès spécial à quelque chose, un coffre ou quoi que ce soit. Non, 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 je voulais pas, là, cette fois, par contre. Ok. J'ai envie de voir. Mais j'ai l'impression... Ouais, c'est le tout début, ça. Ok. Ah bon, tu me poursuis même en passant au travers du décor. Très bien. Ça, on l'a déjà fait. Bon, bah, au moins, on sait qu'il n'y a rien. Et je pense qu'on devrait arriver à la fin de son âme, là.
Putain. Ok, donc ça se trouve c'est là. Donc on va aller ici avant. Ah, j'avais pas pu y aller là-bas, je pense. On va utiliser la mort. Il ne craint rien. Par contre, on est quasi mort. Voilà, celui-là, on l'avait pas eu. Très bien. Hop là. Donc la mort qui nous coûte 10 balles à chaque fois à utiliser. Donc on perd rapidement du pognon. Ah, on entend le... Ah non, putain, j'ai dashé, bande d'enfoirés. On entend le... Donc ça, par contre, ça n'est pas grave. Parce que on a eu le coffre. Donc il est validé. C'est vrai que j'ai augmenté ma flamme. Putain, je pensais que j'avais un dash, mais non, parce que je viens de revenir. Voilà, ça. On va les éclater. On va prendre nos 3 dash. De toute façon, là, on l'entend très fort. Hop, il n'y a rien de planqué. On l'entend très fort, le... Voilà. Donc, j'espère qu'il me manquait que les coffres que j'ai trouvés. Alors, voyons voir. Cool. On a 7 sur 7 et le trognon. Là, chez Evelyne, on avait déjà eu tous les coffres, mais il faut qu'on refasse quand même le niveau pour le trognon. Donc, c'est encore un niveau de luxure. Merde, putain, les pics, j'avais pas vu. Donc là, j'ai pas à me soucier des coffres. Étant donné que je les ai tous eus. Ok, il me manque un cœur, donc très bien. On fait tout le tour là, mais ça se trouve c'est... Ah voilà, j'allais dire ça se trouve c'est que pour un coffre. Ah mais ça c'est l'endroit où il faut que j'aille à 4 endroits différents. C'est le truc où il faut que j'aille un petit peu partout. Aux quatre coins de... Aux quatre coins de la map. En tout cas, on récupère des thunes. Ça, je crois que c'était uniquement... Ouais. Limite, ça, je pense que je vais m'en...
m'en foutre un peu. Ah, quoique. Ah, mais putain, je suis con, moi, en fait, c'était... De toute façon, c'est que pour un coffre, donc ça, on s'en fout. Et merci, Saint-Galier, pour le follow! Merci beaucoup! Bah alors, tu veux pas venir y... Oh putain, l'enfoiré. Ouais, en fait, toutes les torches, là, c'était pour un coffre, mais donc les coffres, on les a déjà eus. Voilà. Voilà, la map qui nous dit que voilà, on a des cibles à... Des cibles, il faut qu'on tire dessus. Il y en a 5 en tout. Et en fait, il y a 5 portes qui emprisonnent le morceau de... Le trognon de pomme, en fait, qui était au tout début. Donc, il faut aller, voilà, aux 4 coins de la map. Qu'on va descendre gentiment. Putain. Laisse-moi tranquille, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose en dessous? Je ne crois pas. Oh putain d'enfoiré. Ok. On s'est fait avoir. Et on va. Bon, ça va, il n'y en a pas. Il n'y en a pas des masses. Bah, bizarrement. Ah, mais non, ok, je comprends mieux. C'est la guêpe qui était tombée du toit tout à l'heure. Parce que je me disais, mais c'est quoi ce merdier? C'est quoi cette guêpe? Elle est apparue. Mais non. Ok, donc il nous reste ce à droite. C'est toujours le même style visuel des niveaux. Alors en fait, le style vitraux, oui. Là, en l'occurrence, c'est parce que je viens de faire deux âmes en fait corrompues par la luxure, qui fait que là, les deux niveaux sont très semblables. Au niveau de la plateforme, au niveau des ennemis, au niveau de tout. En fait, je suis dans un monde de luxure qui fait que c'est les mêmes. Enfin, c'est les mêmes visuellement. Mais tu vas voir, là, juste après, je vais avoir un boss de luxure. Donc là, ce sera pas du tout... Enfin, dans le boss de luxure, il y aura peut-être le même visuel. Mais en tout cas, quand je passerai à une âme corrompue par... Merde. Corrompue... Ouh! Corrompue par la colère ou autre. Tu verras que ce sera pas du tout le même truc. Je crois hein, que je suis dans la luxure là. Ouais, je suis dans la tête d'Evelyne. Là, c'est la luxure. Ouais, je sais pas, peut-être la végétation luxuriante, je sais pas trop. Je me rappelle plus trop l'histoire des comment dire, des pêcheurs par luxure. Je me rappelle plus trop les discussions en fait que j'ai eues avec eux et sous quelle forme était leur luxure. Ok.
ça, on avait dû. Ouais, mais ça doit être un coffre. Ouais. Oh putain, il me restait si peu de cœur. J'avais pas du tout fait gaffe à... Oh super, en plus au-dessus c'est des... C'est des mauvaises. Ok, donc... En plus je n'ai même pas validé le... J'ai même pas validé la cible. Ouh, on a failli décéder. J'ai même pas validé la cible. Ok, donc là-haut, c'est le... c'est la fin. Ouais, il nous reste encore deux cibles à trouver. On va repasser par là-haut. Hop là. Merde, j'ai failli refaire le... Voilà, lui je vais le tuer comme ça. Cool, en plus c'est un... Ok, donc on a validé celle-là. L'autre, elle est là-haut. Ok, il faut que je monte avec les gros spermatozoïdes. Et ce sera là-haut. Ok, on a récupéré un cœur. Où est-ce que ça va être? Ah super, c'est de l'autre côté. Ah, à moins que, mais ça m'étonnerait. Non, ok, ils ont fait en sorte qu'on puisse pas gruger le jeu. Donc il va falloir faire le tour. Merde. J'imagine... Ok, donc là, on a tout débloqué. On va retourner au début, enfin, au milieu, si on meurt pas, bravo. Mes félicitations, j'ai voulu prendre un raccourci. Qui était un petit peu trop raccourci, justement. Ah merde, du coup, les mobs sont réapparus, bah oui. Parce que je suis décédé. Non, par contre... Non, 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 je voulais pas faire ça. À trop vouloir aller vite. On en perd du temps. Donc c'était où? Ah merde, je t'avais pas vu toi là-haut. Ah bah là c'est le début.
Donc c'est censé être là. Donc là, on a validé les deux mobs de la luxure intégralement. Saint-Galier, du coup, tu veux... Je fais quoi là? Je fais le boss de la luxure ou tu veux voir un autre type de... De toute façon, je vais le faire aussi après. Hein, mais là, est-ce que tu veux que je fasse le boss de la luxure ou est-ce que tu veux voir un autre type de paysage dans l'âme d'un autre type de péché? Non, non, fais ton jeu, je te regarde. Ok, voilà, de toute façon, ils sont assez rapides, les boss. Hein. Les boss, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de balade comme ça, à droite, à gauche. C'est directement le boss. Octobé. Ah oui, c'était la pseudo-pieuvre. Celui-là, Winter m'avait vu... M'avait vu avec... Merde, j'ai sauté trop tôt. Ok. Ok. Une première, une deuxième. On récupère de la vie. Merde. Merde, ah, j'ai failli m'en reprendre une. Allez, meurs. Meurs, 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 j'ai dit. Voilà. Du pognon, du pognon. Allez, le trognon. Et du coup, le boss est validé aussi. Enfin, le... L'être humain qui était corrompu par le boss de la luxure. Lui, je crois qu'on l'avait retrouvé. Ouais, il était au fond d'un puits et en fait, il matait les nanas qui passaient à côté du puits. Il matait sous leur robe, en fait, depuis le fond du puits. Un petit pervers, en fait. Donc, Landford. Du coup là, hop, hop, hop. Donc là, il nous reste l'orgueil et la colère à combattre. Donc là, on va aller dans un esprit orgueilleux. Et ça, je crois que je pouvais les éclater. Ouais. Donc alors attends, on est dans l'orgueil là. Dans cet esprit-là, il me manque un seul coffre. Donc on va essayer de le trouver. Ah putain, mais en plus, ça, les esprits orgueilleux, c'est des esprits... Des esprits... Oula, j'ai pas pu avancer à cause du meuble. C'est des esprits labyrinthiques que ça en peut plus. Il y a plein de portes cachées. Du coup, je sais jamais si... Venez là. Non, mais je voulais que vous veniez tous les trois là pour vous faire un dash dans la gueule.
Parce que le dash, quand je tue des mobs avec le dash, ça me rapporte deux fois plus de pognon. Ça c'est quoi? C'était pour aller à un coffre, non? J'imagine que oui. Ah putain, c'était sûr. C'était sûr et certain. Du coup, je pouvais aller plus loin. Ça, j'ai dû l'avoir déjà. Ok, ouais, je l'avais déjà eu. Merde. Ah, là, il y a un coffre derrière le mur. Mais j'ai dû l'avoir. Ouais, je l'ai déjà eu. Là, il y a des cœurs. Ok. Il y a... Ah, merde, je pensais pas qu'elle allait me toucher avec son œuf. Ah bah tiens, on va sauver, très bien. Le pognon, il m'en faut parce qu'il me reste une amélioration. Un dash plus puissant. Il n'y avait rien là, hein. Ouais. Et salut, Vampire Souls. Comment tu vas? Nous, on est sur la fin de Saga of Sins. On vient de valider les deux pires fins. Et là, on va valider certainement la fin... comment dire? Pas la meilleure, mais la deuxième. La maniabilité du jeu, correct? Franchement, ouais, moi je trouve. Par contre, il y a... comment dire? Au niveau de la hitbox, des fois, je la trouve un petit peu abusée. Bon, là, en l'occurrence, la maniabilité, c'est la merde, parce qu'en fait, quand tu passes une porte, c'est un monde inversé. Ah non! Ah non! Il est là, le coffre. Ouais, mais comment j'y accède? Comment j'y accède? La durée de vie... durée de vie... Si tu veux faire... Toutes les fins, c'est un petit peu plus long parce qu'en fait, tu es obligé de te retaper tous les mondes que tu as déjà visités. Ce que je trouve un peu dommage d'ailleurs parce qu'au final, c'est strictement le même monde. En fait, tu peux pas forcément valider intégralement un monde la première fois où tu y vas parce que tu n'as pas débloqué tous les pouvoirs. Et du coup, tu refais ce même monde avec tous les pouvoirs pour avoir tous les secrets. Je trouve ça un petit peu nul, en fait, de devoir refaire un monde, mais qui soit pas... qui apporte rien de plus. Après, moi, je l'ai acheté, il était en promo. Putain, mais par contre, c'est sûr, le coffre, c'est celui qu'il y a là, mais je sais absolument pas comment l'avoir.
Moi, ouais, je l'ai eu en promo. Après, je sais pas combien de temps j'ai passé dessus. J'ai peut-être fait. C'est peut-être le sixième stream, je crois, celui-là. Mais bon, en stream, tu discutes, tu passes du temps. Donc, par contre, je me demande si c'est pas un bug, hein, le fait que j'ai pas pu accéder au coffre. Ouais, tu passes plus de temps. Dessus. Oh, merci pour le follow, Vampire. Là, je vais essayer de faire un dash diagonal, mais ça va être. Ok, c'est bon, c'est passé. Ouais, je comprends pas pourquoi je ne peux pas. Ah putain, il y a des caisses. Il y a des caisses, les petits bâtards. Ok, donc on a validé le dernier coffre. Ça, c'est cool. Ouais, du coup, je regarderai combien de temps j'ai passé dessus. Mais bon, moi, je suis en train de le platiner. Je veux les quatre fins. Là, du coup, on en a validé deux. Et je veux aussi tous les coffres du jeu. Il y en a 111. Donc, bon. Ça, je pense que ça sert à rien, étant donné qu'il nous manquait qu'un coffre et qu'on l'a eu. Ça, j'adore avec les lustres, ça me fait penser à Super Castlevania 4. Ouais. Ah putain, j'avais pas vu. J'avais pas vu ce bâtard qui lance ses œufs. Il va me buter. Ah donc, ok. J'allais dire donc toi tes œufs me touchent, mais moi mes hélices, non, non. Je tombe de sommeil, je te laisse. Bonne fin de jeu. Ok, merci Saint-Galier d'être passé, d'avoir discuté. Et passe une bonne nuit. Des bisous. En tout cas, on entend les cris un petit peu comme les cris de douleur là. C'est parce qu'on est plus très loin de du trognon de pomme. Ok, c'est passé. Et voilà. Donc on aura fait les coffres et le trognon du mob de l'orgueil. Là par contre, il nous manque trois coffres. Le boss de l'orgueil, je l'ai déjà battu. Et il nous restera les trois de la colère. Par contre, comme je disais, il y a un coffre. Ouais, voilà. Un coffre de la paresse, je crois. Ouais. De la paresse que je ne trouve pas. Donc je vais vous mettre à contribution. Vous avez vu que les coffres, en fait, sont soit planqués dans des murs, qu'on voit en fait, on les capte parce qu'ils sont un petit peu invisibles, enfin semi-transparents plutôt. Et donc si vous en voyez un, dites-le moi. Parce que ici, il m'en manque qu'un seul et j'ai beau tourner, je ne le trouve pas. Après, il peut être aussi
On les voit dans les murs. En fait, on voit. Je vais essayer d'en trouver un pour te montrer. Ok, donc là, il va y avoir un mob. Un gros mob. Je vais essayer de te montrer ça. Si on a un dans ce niveau. Là, par exemple, tu vois le mur. Tu vois là, le mur au-dessus. L'intérieur du mur au-dessus est différent. Là, il a l'air un petit peu flouté. Tu vois? Comparé à au-dessus et en dessous. Et donc là, comme c'est flouté, c'est que je peux y aller. Et donc là, il y avait un coffre, tu vois. D'ailleurs, on le voit aussi, le coffre, un petit peu... Ouais, ouais, c'est super léger. Hein. Et donc, en fait, ça, c'est des endroits où peuvent se trouver des coffres. Après, il peut y avoir aussi, tout simplement, des énigmes de... Comment dire? Avec des flambeaux allumés dans le bon sens. Là, le coffre apparaît devant moi, c'est tout. Ouh, il y a un truc là-haut. Je sais pas si j'y suis déjà allé. Et si j'y suis pas allé, c'est que c'est là-haut. Putain. Je pense que c'est là-haut parce que je crois que j'y suis déjà allé. Mais que je me suis mangé aussi la bordure. Et que j'ai pas insisté. Putain, il y a quelque chose. Oh non, me dis pas ça. Me dis pas qu'en fait, c'est accessible uniquement si j'ai le dash de fou. Parce qu'il faut encore que j'améliore une fois mon dash. J'en ai bien trois. Mais il me reste à améliorer la puissance du dash. Je l'ai amélioré une fois. Ouais, non, mais ça coûte 27 777. Et tu vois, j'ai que la moitié là en thune. Et dis-toi qu'en plus, j'ai battu plusieurs fois le même boss, le plus simple en fait, avec le griffon, pour farmer des thunes, 300 par 300. Mais malgré ça, j'en suis loin, hein, j'ai que la moitié. Ouais, je pense pas pouvoir y accéder. Je vais réessayer, mais... Je pense que pour pouvoir y accéder, faut vraiment... Ouais, il faut le dash. Il faut le dash à fond, c'est sûr. Je vais juste essayer, peut-être, d'y accéder de l'autre côté. Si jamais c'est possible. Parce que j'imagine... Merde. Parce que j'imagine que c'est accessible. Ah merde, non, j'y suis peut-être allé du coup. J'y suis peut-être allé. Quoique, ça a l'air d'être au-dessus de ce merdier encore. Donc je sais pas si je peux y aller en fait, hein, en faisant le tour. On va voir. Oh! Je crois qu'on est bon. Tu m'as l'air un petit peu plus tanké, toi. Un peu plus tanké et un peu plus rapide. Yeah! Le dernier coffre. Génial. Génial, génial. GG! Thank you!
Donc le dernier coffre, bah voilà, j'ai bien fait d'y aller en me disant que vous pourriez peut-être m'aider. Ça m'a forcé à... Bah, y retourner et puis à voir des trucs. Oui, le monde de la paresse, t'as vu un peu comme dans Blasphemous, il est représenté par ça, la boue qui nous empêche d'avancer rapidement. Ouais, il était bien plus tanké au-dessus. Bon, du coup, il faut qu'on aille à la fin. Pour sortir de là, on va récupérer. Ouais. Est-ce qu'on est obligé vraiment de... Je crois qu'on est obligé. Ah, quoique, avec mon pouvoir, en fait, je pouvais peut-être monter tout simplement. Ok. Ça, c'est pas grave. Merde! Ah oui, d'accord, ok. Toi, tu décides de pas mourir. Très bien. Ok, donc là, ça crie, on doit être à la fin. Avec les mobs qui pop. De quoi? Ok, donc on a validé toute la paresse. Ah oui, dans la boue de Blasphemous, ouais. Donc, on va juste revérifier. 7 sur 7, 7 sur 7, 7 sur 7. Ok. Ok, donc là, tout est bon. Donc, il nous restera... Hop. L'orgueil. Le dernier de l'orgueil, puisque le boss, je l'ai déjà battu. J'ai pas regardé combien est-ce qu'on a de coffres ici. Ah, on en a que 4. Il manque 3 coffres. Oula. Donc il nous manque 3 coffres ici. Ah, mais ça, c'est pour accéder à un coffre qu'on a déjà eu, je crois. On va quand même... Voilà. Lui, on y était déjà allé. Merde! Oh, le con! Bon, c'est pas grave. Au moins, on aura vérifié que... Ah, je pensais que je t'aurais. Au moins, on a vérifié qu'on avait ce coffre-là. Je suis en train de bourriner comme un con, par contre. Bon, ça va, il y avait des cœurs ici. Ok, donc de toute façon, il n'y a qu'un chemin, c'est celui-là. On va être dans le monde inversé, du coup je vais avoir les commandes inversées. Ici, il y avait une porte de planquer en plein milieu. On va quand même y aller. Ok, c'était pour un coffre.
Oh, j'avais pas vu qu'il y avait des cœurs là-haut. Ah putain d'enfoiré. Ok. Donc là on est bon. Il doit y avoir du coffre planqué. En plus j'ai entendu, ouais voilà, j'allais dire, j'ai entendu un pan. Qui gueulait. Donc ok, là il y a une porte. On en a une ici aussi, qui a l'air d'être la plus facile à rejoindre. Donc j'imagine que ça c'est le chemin normal. Ça, je crois que je l'avais fait. Donc, bien sûr, avec les commandes inversées, sinon c'est pas drôle. Ok, donc on l'avait déjà fait. On va peut-être pas avancer directement, on va aller voir là-haut. Ok. Je me demande si je passe par là ou pas. Ah, le bâtard. Je sais pas si du coup j'y suis allé ici. Et je me demande d'ailleurs si c'est le chemin normal ou... Ah, mais j'ai été con en fait. C'était fait pour que je puisse dasher. C'était fait exprès. Ils m'ont foutu 4 mobs pour ça. Bon, par contre, là, je suis pas loin de crever. Ok, il y a du cœur là-haut. Par contre, il y a de la... Ça doit être la dernière... Ok. Ah, j'en étais sûr.
Vous aurez planqué encore quelque chose. Ouais, par contre, comment est-ce qu'on fait là? Non mais là c'est du foutage de gueule par contre. Bah ouais, mais comment veux-tu en fait? Ok, donc en tout cas le coffre qu'il y a ici, c'est sûr que je ne l'ai pas. En fait, d'en bas, je peux t'avoir. J'avais pas vu qu'il y avait la nouvelle saison d'AHS qui vient de sortir. Laquelle, du coup, la... Oh, putain. La 12? Parce que là, moi, je crois que c'est la 10 que je regarde. J'ai pas encore attaqué, d'ailleurs, les 4 derniers épisodes. Et j'ai la 11 aussi, je crois, à regarder. 12, oui. Et du coup, tu vas la regarder ou... Ok, tout va bien, je me jette dans le trou. Parce que tu m'avais dit que la 10 et la 11, t'avais pas kiffé plus que ça. Ok. Hop. Ah, mais le con, putain. Je vais d'abord recommencer la 11 que je n'avais pas fini. Ah, ok. Ah oui, t'avais carrément tellement pas aimé que t'avais même pas fini la saison. J'ai le temps pour la 12, c'est un épisode par semaine. Et il y en avait combien d'ailleurs dans la... Parce que dans la 10, il y en a 10. Dans la... Merde, putain, j'ai failli tomber. Dans la 11, il y en avait 10 aussi, je sais plus. Mais comment veux-tu l'allumer celle-là, quoi? C'est franchement des bâtards avec... Avec la dernière torche. Comment veux-tu que je l'allume? À part en tirant et ensuite en dashant, mais bah ouais, mais non quoi. Et en plus, c'est ça, on entend le bruit. Il y a le coffre qui apparaît. En fait, l'épisode 10, je ne l'ai pas trouvé pendant 3 semaines, du coup j'ai lâché. Ah, ok. Bah là, en tout cas, sur le site que je t'ai donné, tu as tout, hein.
D'ailleurs, tu passes quand? Tu passes quand me voir? On va au moins allumer ça déjà. Non, en fait, c'est au niveau des masques. Non, mais il est bugué du cul, c'est pas possible, hein. Au secours, quoi. Merde, mais comment veux-tu, quoi? On se voit début octobre, déjà. Et je viendrai dans le mois. Oui, non, mais voilà, on se voit, mais... justement, c'est ce que j'allais dire. C'est pas... ça n'est pas toi qui viens... spécifiquement... dans la champignonnière. Ah, peut-être en faisant ça, hein, peut-être juste avec le double saut, sans que je me fasse chier à... Bah oui, peut-être. Je suis con, en fait, moi, à vouloir utiliser le dash depuis tout à l'heure. Non, par contre, là, j'ai été très con. Très, très con, même. Et je viendrai dans le mois. Je dirais troisième semaine d'octobre, mais je suis pas fiable. Ouais, on se voit le 25 décembre, quoi. Bon, par contre, faudrait que j'arrête de bourriner comme un con. Ça pourrait être bien, en fait. Voilà. Donc maintenant, il faut pas que je meure. Ok, let's go. Eden. Donc on est dans le pêcheur d'orgueil. Donc c'est ça, on est 5 sur 7. Mais non! Ok, on revient gentiment. Hop là. Donc c'était un niveau bonus, tout ce délire-là, pour... Ah bon, ok. Hop là. Ok, tout va bien. Je crois qu'il y a des... Je crois qu'il y a des cœurs un petit peu plus loin. Voilà. Très bien. Là, on est bon. On va pouvoir continuer d'avancer.
J'ai les impôts là, ensuite je prends l'hôtel, etc. pour Montpellier en fin de mois. Et je pourrais te dire quand je viens. Donc là-haut, on y était allé, il me semble. J'ai toujours pas vu de flou dans les murs. Avec du coffre qui serait caché. J'espère qu'ils ont pas fait les bâtards en fait à planquer des trucs genre en hauteur ou quoi. Comme dans l'autre monde. Ok, donc là on a une porte. Là on a certainement un boss. Donc encore un monde à la Castlevania. Oula, c'est un bruit de paon, ça, qui balance des œufs. Ça va le sac à PV là? Putain, mais c'est quoi ce monde? Ce monde infini. Ah, les petits bâtards. Ok. Ok. Donc on en a 6 sur 7. Ok, plein de cœurs. Maria et Draco. Ça, c'est cool. Ok. Est-ce qu'ils ont fait les bâtards du Nord du genre à planquer des torches à droite, à gauche ou pas? Ok, ça c'était la mort. En tout cas, on a eu le coffre qu'il y avait là-haut. Est-ce qu'ils sont assez bâtards pour en avoir caché d'autres? Je ne pense pas. Je crois qu'on a... Je crois qu'on a tout visité là. Je crois qu'on est allé au plus haut. Bon, par contre, faut me laisser passer là, madame. Bon, allez, tue-moi. Il y avait un truc là-haut, mais je crois que de toute façon, c'était le coffre, hein.
Vas-y, tu sais quoi, je me suicide histoire d'avoir mes cœurs. Par contre, je pense quand même qu'il va me manquer un cœur encore. J'ai pas vu de planque dans un mur. C'est peut-être encore une histoire de porte. Hein. Putain, par contre, c'est une horreur dans le monde inversé. Déjà, c'est une horreur pour les oreilles. Et c'est une horreur tout court, en fait. Ah! Non! Il y en a un là, derrière. Trop bien. J'ai eu les 7, du coup. Hein. Ouais, cool! J'aime bien l'ambiance, j'adore l'ambiance. Let's go, on a validé tout l'orgueil. Il nous reste plus que la colère. Donc, la colère, on a 5 sur 7, 5 sur 7. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait le boss de la colère d'abord? Ou est-ce qu'on fait les mobs de la colère? Je te laisse le choix, ma chère Winter Sky. Ou les lurkers d'ailleurs, si jamais vous voulez vous exprimer sur le sujet. Oh, je commence à avoir mal aux oreilles avec mon casque. Sinon, je continue dans l'ordre. J'ai pas entendu. Je demandais, tu veux quoi? Tu veux que je fasse du mob de la colère ou directement le boss de la colère? Allez, let's go. Dans l'ordre, du coup. Donc, on a un mob dans lequel il manque deux coffres. Du plus simple au plus dur, bah let's go. Hein. Donc, on fait ça. Orgueil 1, colère 1, colère 2, colère 3. Donc, il nous manque deux coffres. Ah, c'est vrai que ce monde, il est vachement... vachement sombre. C'est vrai qu'on avait pas mal de plateformes à la con qui tombaient. Eh oui, moi aussi, je sais envoyer des trucs dans la gueule en étant planté. Voilà, en fait, il y avait pas mal de plateformes à la con comme ça qui tombaient. Oh putain, c'est du piège ça.
Ok. Un premier coffre qui était bien planqué. Bon, ça, c'est pas grave. Même si je suis mort, le coffre est validé, je crois. Voilà. Tant que je valide le... comment dire, le niveau, que je quitte pas le niveau en mode genre juste quitter, ce sera validé. Donc ça n'est pas gênant. Vas-y, donne-moi tes pièces. Ok. Donc ça, par contre, ça va s'effondrer. On a un checkpoint ici. Je monte histoire de... au cas où il y ait des... Ah, on dirait que là, il y a peut-être un coffre dans le mur. On voit un petit peu au travers. Ça, au moins ça fait du pognon. Ah, ça a bugué ou quoi? Je pense que j'ai tout eu. Ça sent le boss. Ok. Je m'en rappelais plus. Je ne m'en rappelais plus. Est-ce que ça, j'y avais fait gaffe? Ouais. Ok. Que fait-on? Je sens qu'il va y avoir beaucoup de mobs qui vont apparaître, non? Non? Même pas? Ok, pourquoi pas. Donc on va monter. Oula! Et je me demande si justement derrière l'un des mobs, il n'y aura pas genre un cop. Ah bah là! Là ça va certainement être... Il va falloir que je me change en la mort. Voilà, c'était certain. C'était un truc justement, je l'avais pas eu parce qu'il fallait le quatrième pouvoir. Ok, donc on a les 7. On a les 7. Ah bah, c'est pas grave. Dans tous les cas, on a les 7 coffres, donc c'est très bien. Ok, ça se passe bien. On va quand même les allumer, ces trucs-là, parce qu'on ne sait jamais.
Ok, c'était du plus haut. Au plus bas. Mais on l'avait déjà eu. Bon, c'est cool, c'est que ça se passe très bien. On va essayer de tous les avoir. Bon, ça aurait pu mieux se passer, mais bon, c'est passé. J'entends pas la douce musique du trognon de pomme. Ah bah c'est là derrière lui qu'il y en avait un de coffre, mais que j'avais vu déjà. Ah, en tout cas, on commence à avoir pas mal de fric. Ah ouais d'accord, ok, tu arrives à m'avoir avec ta hache. Là je crois qu'il y avait un gros mob. Ok non, c'était pas le cas. On va pas y aller, de toute façon on a tous les coffres, donc autant aller vers la fin qui doit être là-bas. Ah oui, on entend les cris. Bon, il nous reste deux coffres et un boss. Et tout sera fait. Je vais juste vérifier. Ça a l'air d'être le cas. Hein. Au niveau des innocents, on a tous les coffres. Il nous manque juste l'amélioration du sprint. Et puis ce sera bon. Hein. Ça se trouve, on aura peut-être assez d'argent pour l'amélioration. Sinon, il faudrait que je farme un petit peu sur du boss. Donc je disais deux coffres hein, ici. Ouais. Celui-là, on a déjà dû l'avoir, je pense. Ouais. Malheureusement, on l'avait déjà eu. Ok, donc il n'y a rien de plus. Ah. Ils sont vénères. Normal. Ils sont en colère. Voilà, plein de pognon. 21 027. Il nous manque 6750 pièces. C'est pas rien non plus. Je crois que j'y étais allé là-bas. Il y avait un coffre et j'y étais déjà allé. J'y étais déjà allé, il me semble. Hein. Et en fait... et c'était un peu chiant comme passage.
Mais oui, j'y étais allé. Donc, on va pas s'emmerder à y retourner. Ça, c'est pris. On a nos trois dash. Ah oui, putain, là-haut, c'était un enfer. Mais j'avais réussi à les avoir, par contre. J'avais réussi, je crois, à y aller. Bon, là, en plus, j'ai triple dash, donc ça... Merde, ça devrait aller. Je voulais juste voir, d'ailleurs... Ça me permet de partir à droite. Donc peut-être qu'il y a un coffre dans le mur à vérifier. Non. Ok. C'était limite plus simple quand j'avais pas les trois dash. Ça change rien, quoique c'est peut-être la puissance de mon dash, ça me fait aller trop loin. Je me demande. Donc genre j'arrive à accéder ici, mais il n'y a rien. Ah si. Ok, mais du coup on l'avait déjà eu. On l'avait déjà eu. Par contre, ici, je ne crois pas y être allé. Ok, donc il a fallu quand même 3 dash dans sa tronche. Je pense que c'était fait exprès. Ok. Très bien. Celui-là, c'est sûr, je ne l'ai pas eu. Let's go. Aiden, je crois. Hein. Ouais. Donc il va encore m'en manquer un par contre. Il va m'en manquer un. Ouais. Ah bon? Ah bon, d'accord. T'es comme ça, toi. En tout cas, les pics, je vois pas à quoi ils servent, en vrai. Bah, s'il doit y avoir un truc, hein. De l'autre côté. Ok, calme-toi.
Ouais, mais ça pue la fin. Ça pue la fin de l'autre côté. C'est comme cette plateforme, à quoi est-ce qu'elle servait en fait? Est-ce qu'il y a un truc là au-dessus? Ça m'étonnerait pas en fait. Il faille que je me serve de la plateforme et que je dash. Finalement, t'es loin de la fin en ayant pris le chemin de Lucifer? Comment ça? Là, en fait, comment dire, j'ai battu Uriel dans ma partie, j'ai battu Lucifer dans ma partie, et là, je suis en train de sauver toutes les âmes, mais je vais rebattre Uriel avec toutes les âmes, et ensuite battre Lucifer avec toutes les âmes. C'est pas le chemin de Lucifer, hein, le coup des âmes, c'est simplement que t'as deux fins, je pense. La pire, c'est laisser les âmes crever et battre Uriel. Et la meilleure, je pense que c'est sauver les âmes et battre Lucifer. Et au milieu, en fait, t'en as deux qui sont moyennes. T'as battre Lucifer, mais en laissant les âmes condamnées, ou battre Uriel en ayant sauvé les âmes. Ok. Ah! Non! Putain, je perdais du pognon, j'avais pas vu que j'étais en la mort. Ah, j'ai cru que t'avais enchaîné derrière Lucifer, que c'était le script. Non, non, non. Derrière Lucifer, derrière le fait que j'ai vaincu Lucifer, il allait dans le cimetière. Et il pleurait en mode bon, ok, j'ai battu Lucifer, j'ai éradiqué le péché, nanana, mais je vous ai condamné à l'enfer. Mais je vous ai condamné à l'enfer. Il y a un coffre derrière, mais je l'ai déjà eu celui-là. Ça, on se demande à quoi ça sert. Ok, donc il y avait un toit. Quoique je vais essayer, comme j'avais dit, peut-être qu'il y avait un coffre. Peut-être qu'il y avait quelque chose. Non. Ok, c'est pas grave. Ah merde, par contre, c'est à nouveau ici, il fait chier. C'est pas grave, hein. Faut juste que je rebatte l'autre con là. On va remettre ça. On va laisser tomber tous les trucs et on va les éclater justement avec avec un dash. Histoire d'avoir plein de pognon. Après, tu peux laisser mourir l'alcoolo qui mate sous les jupes des femmes, hein. Personne ne le regrettera. Non, mais de toute façon, ils sont tous morts. C'est simplement que je vais lui... Ah putain, en plus, il y avait ça là, quoi. C'est simplement que je vais lui donner accès au paradis, quoi. Non, mais j'aimerais passer derrière pour
pour pouvoir récupérer du dash, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est franchement le pixel à la con, quoi. Genre je ne touche pas. Voilà. Ah mais du coup je vais me refaire du pognon avec tout ce merdier là. Ok. Je vais reprendre mon troisième dash. J'aimerais bien trouver le dernier coffre. Par contre, s'il vous plaît. Non, ah putain, je l'ai vu en plus. Je me suis dit que ça passait pas. Allez. Oh là 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 là. Oui. Personne. C'est pire. Ouais, que je lui donne accès à. Oui, non, le must, c'est qu'il aille en enfer. Ah ouais, d'accord. Ok, lui, j'ai même pas posé le pied au sol que. Ok, donc on me refile du dash. Par contre, est-ce que je peux briser ça ou pas? Non. Ah, les petits bâtards. T'as vu ça un peu? Ok, donc on aura eu... On aura eu les coffres. Ah oui, du coup, en fait, on le voyait, le coffre. Mais en mode genre... ah merde, maintenant que je suis en haut, je peux plus descendre, je peux plus l'avoir, quoi. Ah, on y est. On l'entend. Bah merde, il est où? Je l'entends. Ah, donc en fait, là, c'était pas... Ah, c'est au-dessus. Il y a un chemin. Let's go! Il nous reste plus que le boss de la colère. Et on... Ah bah non, là j'ai tous les coffres, d'ailleurs, normalement. J'ai les 111 coffres. Sans même battre le boss... Parce que du coup, ça me disait... Alors attends, et le pognon, j'en suis où? 23 568. Alors attends, on va juste retourner dans le boss de la paresse. C'est Durwin. C'est lui. Parce que dans celui-là, c'est là-dedans que je récupérais genre 300 balles. Tu vois, obtenez les 111 coffres pour débloquer un secret déjà décomposé, ça dit. Mais du coup, moi, j'ai rien vu de débloquer. Donc voilà, ça, c'est le boss le plus simple avec
cette forme-là. Voilà, c'est fini. Et je gagne 300 balles. Donc je pense que je le farmerai pour avoir les 27 000 balles. Parce que là, en gros, il me faudrait 4000 balles. Ça veut dire le battre 12 fois. Ouais, puisque là, du coup, donc, au niveau des pêcheurs, j'ai 7, 14, 28. Bon, alors, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, let's go! Donc, 14 fois 7, 98 coffres. Et les innocents, 101, 111. C'est ça, j'ai les 111 coffres. Let's go, Jawad Bonds! La VW Bad Cop! Ça y est, vous avez terminé avec vos voitures. Moi, je viens de terminer de choper tous les coffres de mon petit jeu. Il me reste un dernier boss à vaincre. Le boss de la colère. Bonjour, Otajum! On se connaît. Ah putain, en plus, c'est l'ascenseur, c'est le truc relou, je crois. Et bonjour, c'est vos boss, que vous habitez chez vos parents. Ah ouais, putain, c'était le boss un peu relou, celui-là. Et une fois qu'on aura battu ce truc-là, on pourra aller vaincre Uriel, l'ange. Et ensuite Lucifer, et on aura certainement la meilleure fin. Ok, ça se passe bien pour le moment. On va essayer de pas chier dans la colle. Putain, j'avais pas vu qu'il y avait les plateformes. Enfin, les de quoi m'accrocher. Ah ouais, c'est votre premier raid ? Pourquoi? Parce que avant vous pouviez pas. On peut raid ou pas quand on n'est pas affilié, je me rappelle plus. Puisque ouais, ça y est, Winter, la VBC est affiliée. Ouh putain, mais je suis débile! Je suis un putain de débile! J'ai pas vu le... Putain, au secours, quoi. En plus, c'était la fin, là. J'ai pas vu le... D'ailleurs, tu sais quoi? Je vais vous faire un petit SO. J'ai pas vu le... Les pics en plein milieu, quoi. Hop! Ne dis pas ça, mon coquille. Et moi, je suis le mec vert. Ouais, allô. Allô. Je te rappelle après. Ouais, vas-y. Vas-y, ah, c'est quand il était au tel. Je te rappelle après. Au tard. Je te rappelle après. Après. Ouais, je te rappelle. Bisous. Allez, à tout à l'heure. Ouais, pas de problème. On se rappelle. On fait comme ça. Moi qui s'est jeté là. Non, comme ça. Stéphane. Non, il a. Mais c'est Julien qui je suis un petit peu. T'es sérieux? Bah oui. Si jamais vous écrivez, désolé de pas. Pourquoi t'as fait ça? Non, c'est un petit peu tendax. T'es sérieux ou quoi? Ah, mais j'avais pas. Pourquoi t'allais faire ça? C'est un malade mental.
Ouais, je reste avec nous. Et tu veux parler, oh, t'inquiète, on se parle. C'est pas besoin. Je me suicidais, ma gueule. Ah merde, possible, suicider, putain, j'ai l'arme aux yeux. Oh là là. T'as des problèmes. Attends, je me suis fait. Ok, allez. Cette fois, on le passe. Cette fois, on se fait pas avoir avec les pics à la con qui sont en plein milieu. Putain, pourtant, on les voyait. Hein. Et c'était la fin. Comme quoi, je suis vraiment mort comme un con. Du pognon, du pognon. Et le dernier trognon de fruits défendus. Donc là, normalement, j'ai sauvé les âmes des pêcheurs que j'avais tués. Pognon ! Ah, mais d'ailleurs, cette porte-là... Ah, ben voilà, je peux l'ouvrir. Je peux peut-être l'ouvrir grâce à... Grâce à mes coffres, au fait que j'ai trouvé les 111 coffres. Donc là, c'est découverte pour moi. Donc vous allez découvrir en même temps que moi. Bonus level, ok. Ah, c'est peut-être pour du pognon, du coup. Ok, 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 très bien. Ok, j'avais pas vu qu'il y en avait en plein milieu aussi. Oh putain. Ah mais vous êtes infini en fait ou... Ah oui. Ah mais c'est un niveau pognon en fait. C'est un niveau pour avoir un max de pognon. Ok, ok. Ça, c'est génial, par contre. Pour permettre, justement, de récupérer tout le... De récupérer toutes les améliorations. Surtout qu'il me fallait 27 000 balles. Bon, après... Après, vous n'étiez pas obligé de mettre des pics, par contre. Ok, donc je peux pas en faire deux, sinon je me mange les pics. Ok, on est à 26 000. Bon, je suis désolé parce que c'est un peu naze. Mais il me faut juste un petit peu de pognon. Je vais crever. Ah ! On y est presque. 27 777, il me faut. Allez, on va être bon. Voilà, on se casse de là. Bonne nuit à tous, à la prochaine. Allez, bonne nuit à tous. Ben, bonne nuit, c'est beau. Bonne nuit, Ota. Merci pour le raid. Nous, on va battre une dernière fois Uriel et Lucifer et on aura platiné le jeu.
Voilà, donc j'ai tout débloqué ici. Le corbeau qui va me filer le dernier morceau de vitrail. Bien, tu as trouvé tous les fruits pourris. Cela n'a pas dû être facile. Mais ta conscience est soulagée, ce qui en vaut certainement la peine. Et donc, les pêcheurs seront sauvés? Cela dépend d'eux. Certains seront récalcitrants, d'autres seront repentants. Et si tu me disais enfin qui tu es? Je suis une sorte de médiateur, un messager. Et le messager n'est pas responsable du contenu du message. Une dernière chose, ne parle de moi à personne, ni de notre petit arrangement. Cela risquerait de briser notre accord. Quel accord? Quel accord, maudit oiseau? Ok. On a le dernier morceau de vitrail. En espérant que ce soit pas. Ah, du coup, il y a vachement de lumière. J'espère que je vais pas ouvrir l'enfer en mettant ça. Voulez-vous vraiment réparer le vitrail porte de l'enfer? Ah ouais. Bon bah, let's go. On le fait. Les portes de l'enfer, elles étaient là, sous la chapelle, durant tout ce temps. Mes rêves étaient tourmentés par le brasier qui faisait rage sous mes pieds. Uriel ne mentait pas. Peut-être même est-ce la seule vérité qu'il ait dite. Mais œuvrait-il pour garder ses portes fermées ou pour les ouvrir? Qu'y a-t-il de providentiel à laisser une maison de prière au bord du gouffre? Ok. Je fais un petit match de FIFA et puis je vais dodo aussi mon coquet. Ça marche. Bah bon match. Et puis des bisous. Des bisous, des bisous. Et une bonne nuit à toi. Donc, on va combattre Uriel. Et ensuite, voilà, que me mentir, nanana. Voilà, comme tout à l'heure. Et ensuite, on va battre Lucifer et on aura terminé. Merci mes BG. Je vous kiffe. Je vous love. J'ai l'impression que je suis plus sombre. Ah non, c'est bon, il y a la lumière. Ah putain, j'ai pas double. J'ai pas sauté en double. Merde. Oula, péché. Ah bah, je suis mort. Hein. Je suis mort, moi, je pense. Oula. Ah, l'enculé. Non!
Cécile. Bon, après, je pense qu'en fait, ça ne changera rien, le fait de battre Muriel. Quoique, on verra. Ah, mais en fait, ça se trouve, il y a même plus que 4 fins. J'aurais peut-être dû les combattre sans avoir réparé le vitrail. Parce qu'il y a peut-être deux fins aussi différentes du style « j'ai libéré les âmes ». Sans pour autant réparer le vitrail et la libération des âmes avec le vitrail réparé. Non. Ne me tue pas, s'il te plaît. Je peux mourir? Ah, c'est gentil, merci. Tu commences à t'assoupir, tu vas tout louper. GG, merci. Alors du coup, voyons voir. Et ouais, mais 3 heures. Bientôt, dans 12 minutes. Pardonner pour oublier, oublier pour pardonner. Ah, cette fois on voit le diable. La dernière fois on le voyait pas. Pardonnez-moi à mon père, car j'ai péché. L'heure n'est plus à demander pardon, Cécile. Tu es pardonné. Alors, quel est votre commandement, ange déchu? Tu as accompli en quelques jours ce que je cherche à faire depuis des millénaires. Tu seras justement récompensé pour ta bravoure. À nous maintenant de libérer ceux qui sont condamnés à l'éternité. Veux-tu t'en charger? What? Qu'est-ce qu'on va faire du coup? Ah, genre je vais ouvrir les portes de l'enfer? Notre volonté sera faite sur la terre comme en enfer. S'ils ne peuvent accéder au paradis, que les damnés errent à nouveau sur terre. Les portes sont ouvertes. Abandonnez tout espoir, vous qui entrez ici. Yeah, let's go! Donc tout à l'heure, en fait, j'avais pas ouvert les... Donc en fait, c'est celle-là la pire, en fait. La pire fin. C'est pas simplement les battre Uriel, mais avec sans sauver les âmes. Par contre, la meilleure fin. Ok, du coup, il est encore plus gros le dessin. 100% du coup, let's go.
Ça, on va les supprimer. Et donc, hop, la dernière fin, battre Lucifer. La première était spéciale, c'était pas vraiment une fin. Ouais, bah la première, en gros, Lucifer n'était pas libre, on n'avait pas pu ouvrir les portes, puisque, voilà, le vitrail. Mais, en gros, on était le pécheur ultime. Mais sans avoir libéré Lucifer. Mais en gros, on était le pécheur ultime, parce qu'en fait, on a tué plein de gens, voilà. Mais sans que, voilà, l'enfer sur Terre ait été... Ok, donc, le vitrail est créé. Et on va combattre Lucifer. Sans savoir ce qui allait se passer par la suite aussi. Allez, allez. La dernière fin. Oui, donc en fait, je pense pas qu'il y aurait eu de fin différente, même en sauvant toutes les âmes, sans ouvrir les portes de l'enfer, enfin, sans recréer le vitrail, je pense que rien n'aurait... ça n'aurait pas été différent. Ok, donc, on va faire comme tout à l'heure. Merde. On va tirer dans les deux mains de manière équivalente. Oula! Dans les yeux aussi. Merde. Je vais crever. Non. Laisse-moi tranquille et meurs. Oula, oulala. Ok, les yeux. Ils vont s'exciter tous les deux. On va passer là pour les flinguer gentiment les uns après les autres. Voilà. First try. Alors, voyons voir ce que j'ose espérer être la meilleure des fins. En espérant que ce soit pas la même, en fait, que tout à l'heure. Pardonnez-moi, mon frère, car j'ai péché. J'ai laissé ma foi s'ébranler et j'ai failli provoquer la calamité par mes actes. Tes actes ont permis de sauver d'innombrables vies, Cécile. Mais l'ange déchu, Lucifer, a été vaincu pour de bon. Il était de mon devoir de préserver le caractère sacré de ton libre arbitre. Puisque la loi divine m'empêchait de défier Lucifer, tu étais mon dernier espoir. Te révéler ce secret aurait été une violation, bon ça tu me l'avais dit tout à l'heure. Et maintenant, que va-t-il arriver ? J'ai une dernière chose à te demander pour achever l'exécution de mon plan. Me suivras-tu ? Quoi ? Tu veux qu'on aille en enfer ? Ou tu veux qu'on casse le... Passe les portes, Cécile. Quoi ? Tu veux que je devienne le nouveau souverain de l'enfer ?
J'espère pas. Hein. Uriel? Maintenant que Lucifer est tombé pour de bon, il faut un nouveau seigneur de l'enfer. Oh putain. Ah non, mais vas-y Uriel, hein. T'es un ange, vas-y toi, moi je suis qu'un humain. Ce seigneur pourra libérer toutes les âmes prisonnières. Libère-les, Cécile, envoie-les au paradis. Ok. Ok. Donc je vais pas les libérer sur Terre comme voulait foutre le bordel Lucifer. Mais en gros, je vais... C'est comme si j'allais libérer leur âme à tous, comme j'ai fait dans le cimetière, quoi. Ah, et là, par contre, je peux pas... Ah, si. On va faire sauter les crédits. Ah bah, chier ! Voilà. 100% fin totale. D'ailleurs, il n'y avait pas de succès, je crois pas. Hein. Non. Il n'y avait rien. GG ! Eh ben, en tout cas, c'était bien cool. Ouais, non, il n'y a pas de succès. C'était super cool. On va aller dormir. Je vais juste regarder. Ah bah, du coup, j'ai dû être auto-raidé par la VBC. Ah mais il est encore en live, Akira. Il va... Ça fait 6 heures. Ouais, bah, let's go, hein. On va partir chez Akira. Hein. On va partir chez Akira. En tout cas, c'est super. C'était super, super. Moi, j'ai vraiment bien aimé ce jeu. Un peu chiant le fait de devoir refaire les mondes dans le cimetière pour les libérer. J'aurais bien aimé qu'ils soient différents, du coup, du fait qu'ils sont morts, tu vois. Que les mondes soient différents, ça aurait été sympa. Donc, ouais, c'est le petit bémol, on va dire. Mais c'était bien cool. En tout cas, je remercie Kappa pour son raid. Je remercie Saint-Galier et Vampire Souls pour le follow. Et la Very Bad Cop pour le raid. Ouais, elle galère sur son boss depuis 23 heures. Dommage pour les ouais l'histoire des mondes qui sont pas différents. Donc ben, on va aller chez notre cher Akira. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine. Je prépare le raid. Hop. Et oui, j'ai pas mis la scène. J'ai pas mis la scène de Saga of Sins. J'ai mis ma scène classique. Pour la petite musique toute douce. Je vous fais plein de bisous. Je vous remercie de m'avoir accompagné tout au long de ce jeu. Et je vous dis à la prochaine. Des bisous.